chaque fois que je gagne, je pense à mon grand-père. Et la capitale de l'Espagne, Rémi? Madrid. Rémi. Barcelone. Ce n'est pas un hasard si vous méritez les meilleures cotes. Winamax. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le Flash. On commence comme toujours par le point météo, de la grisaille et quelques éclaircies au programme de ce jeudi. Les températures maximales restent douces puisqu'on attend 11 degrés du côté des maximales. Dernier entraînement public ce jeudi matin pour les hommes de Willy Sagnol qui prépare la 28e journée de Ligue 1 et le déplacement du côté de Reims ce samedi soir à 20h. On rappelle que c'est un groupe encore réduit qui fera le déplacement en raison des nombreuses blessures. Carasso, Certic, Plasil, Palois, Maurice Belé et Debuchy sont toujours blessés. Kiesetelin, Gagic, Poco, Contento et Pablo, eux, ont repris normalement l'entraînement. Ça, c'est la bonne nouvelle, mais il risque d'être évidemment encore un peu court pour ce week-end. Côté Rémois, Takalfred est blessé pour cette rencontre. Au classement, notez que Bordeaux est toujours 10e avec 37 points à seulement 4 points du 3e Nice. Et puis cette offre promotionnelle à présent pour assister à la rencontre Bordeaux-Ajaccio à partir de 10 euros seulement, ou le pack pour assister à Bordeaux-Ajaccio ou Bordeaux-Bastia à partir de 18 euros. Rendez-vous sur le site girondin.com pour plus d'informations. Enfin, un joyeux anniversaire à Patrick Le Guen, formé aux Girondins, qui fête aujourd'hui ses 34 ans. On rappelle qu'il évolue au Stade Bordelais en CFA. Voilà pour l'essentiel de l'actu. On se retrouve très vite sur Girondin TV.